Benjamin. Ça va? Oui, putain. J'en ai marre, il y en a encore. Putain, la fiche devant chez moi. Devant chez toi? Oui, devant chez moi. On est pas devant chez toi? Quoi? On est devant chez Alex. David. David. Thank you.
Coucou. Coucou. Je t'ai fait peur ? Bah oui, un peu. Tu dormais à ton âge ? Ah oui, je t'attendais, je me suis assoupie. Je suis désolé, mais le flic m'a tenu à la jambe assez longtemps et automatiquement, j'ai perdu du temps. Bon, attends, je rentre ? Ouais, vas-y. Ok. Bien. Hop. Comment ça va ? Bah bien, toi. Bon. Tu me voulais voir pourquoi exactement ? Vis-à-vis. Quoi, des flics ? Ouais, enfin des flics, non, pas spécialement, mais plus vis-à-vis d'Alan et. Enfin, je sais pas, je trouve ça quand même bizarre son comportement. J'ai l'impression que vous me cachez des choses sur ce qui s'est passé. Parce que les flics sont. Qu'un flic est venu hier et que. Qu'il a voulu interroger Alan par rapport à Alexandre, tu penses qu'il cache quelque chose ? Pas spécialement vis-à-vis de ça, c'est vis-à-vis de son comportement, ses cauchemars. Bah, t'as parlé de. Bon. Bah. Moi personnellement, tu vois, ce que j'ai répondu aux flics aujourd'hui, c'est la même chose que j'ai répondu il y a quelques semaines, tu vois. Donc, par rapport à Alexandre, c'est la même version qu'Alan, la même version que Florian. Florian a vu le flic hier aussi. Et quoi, aussi, parce que moi j'étais pas là, tu vois, quand tu m'as téléphoné, voilà, bref. Et donc, la version, c'est quoi ? Ben, tu la connais, hein ? On a vu Alexandre, on est allé manger au Cuic, on a fait la préparation pour un tournage, on est allé à Croix-Rouge pour faire du repérage, et. Mais voilà, et après, on s'est quitté. Et après ça, on a appris qu'Alexandre a disparu, les affiches de recherche. Mais tu vois, tu me parles de. Il est perturbé. S'il est perturbé, c'est par rapport aux affiches qui sont collées tous les jours. Quoi, tous les jours ? Quelques fois par. De temps en temps, tu vois, sur ma porte, la porte de Florian, la porte d'Alan, c'est ça qui doit le perturber. Surtout qu'on ne sait pas qui fait ça. Étant donné que on pensait que c'était la mère, parce que c'est elle qui a fait les affiches au départ, mais apparemment, Alan a des doutes. Donc peut-être que c'est elle, mais ça doit être ça qui le perturbe. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je sais pas. Bah, attends, les affiches de recherche de Alexandre collées sur nos portes, c'est comme si on nous accusait, tu vois. Ça doit être ça qui le perturbe. À part si, d'après toi, franchement. Non, mais franchement, je n'en sais rien. Je sais pas. Il fait cauchemar tout le temps. Il crie Alex, Alex, le couteau, je sais pas. Quel couteau ? Qu'est-ce que j'en sais, justement ? Bah, tu lui as posé la question ? Oui, il a pas su me répondre. Bah, bon. Moi, franchement, que ce soit pour Alex, ok, il peut te faire des cauchemars par rapport à Alex, mais le couteau. Moi, Alexandre est parti de son côté. Hein. Moi, je suis parti du mien. Et Flo et. Et Alan, ils sont partis de l'heure, tu vois, donc... Je trouve bizarre, il veut plus tourner et tout, la prise de tête avec Florian... Ça c'est... Le 24, on s'est pris la tête avec Florian, parce que Florian, il, comme d'habitude, il se la pète, quoi, il a le melon, quoi, et automatiquement, il a voulu... C'est moi le réel, mais il a voulu prendre le pas sur moi et c'est encore parti en couille, et Alan... Bon, moi, j'arrive tout le temps à gérer, mais bon, Alan, il... Ça l'a gonflé, quoi. Donc ils sont pris la tête. Et la disparition d'Alex, ça n'a pas arrangé les choses, tu vois. Parce qu'il a quand même. Florian a fait le paternaliste avec Alex. Il a commencé à lui dire tu vas faire comme ça, tu vois, t'inquiète pas et tout. Il était chiant. Il était vraiment chiant, tu vois. Et donc. Après, l'histoire du couteau, ça. Faut que tu voyes Alan. Quoi, vous voyez. Faut que tu lui parles. Si... Il veut pas te parler. Il veut pas me parler, non. Bon, ben. Mais moi, j'ai été voir son docteur, là. Il consulte un psy maintenant. Donc, un psy ouais. Il consulte un psy, putain, ça je savais pas. Ça. Il m'avait dit pour les cauchemars et tout. Mais là, le psy, putain. Et ça fait longtemps qu'il consulte le psy, là. Ah non, ça doit faire quoi 400 jours 400 jours. Ouais, bah si ça peut l'aider d'un côté, il faut qu'il fasse un travail, quoi. Mais bon, ça. Mais moi, je te jure, t'as confiance en moi. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Est-ce que franchement, j'ai déjà fait un coup de pute ? Non, jamais. Rien. Donc. Moi, je te jure, je te cache rien. Moi, je te dis la vérité. Ça s'est passé comme ça. Je peux pas t'en dire plus. Peut-être sûrement qu'Alan a un truc, mais moi, je peux pas te répondre. Donc, sur ce coup-là, je peux pas t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Alan. Mais il faut qu'il cède lui-même. Tu vois, c'est ça le problème. Et tant qu'il cède pas lui-même, ou qu'on retrouve Alexandre. Parce que peut-être qu'il s'est barré. Tu sais, c'est un mec qui était en foyer. Alors peut-être qu'il. Voilà, je sais pas. T'sais, il n'a pas eu une jeunesse facile, alors automatiquement, peut-être que. Je sais pas. Je peux pas te répondre, moi je le connaissais pas assez pour savoir, tu vois. C'est Alan qui le connaissait bien, moi je l'avais aperçu quelques fois, quoi, comme ça, tu vois. C'était pas un pote, quoi, c'était une connaissance.
Bon, là je vais enfin faire mon repérage, là, tu vois, c'est ici que je vais tourner bientôt. Ouais. Voilà. Et ça te dit de venir avec moi? Non, je vais rentrer, je vais aller retrouver Alan. D'accord. Ok, bon, mais occupe-toi bien de lui. Hein. Ouais, pas de soucis. Et, à plus tard. Hein. Ouais. T'es prêt, Alan? Ouais. Ok, bon. Quand je te fais... on y va. Non, tu commences à crier. Après, quand je fais pank, c'est bon. Là, tu arrêtes, tu fais... Bon, vous vous mettez en place? Ouais. Allez, plus collé comme ça, là, si on voit pas ton visage. Bon, Alan, vas-y. Maintenant? Ouais, vas-y. Tu peux les côtés, franchement, tu fais tout, tu fais bien comme il mais faut. Mais putain, je te demande de jouer là. Bah, je t'explique. Mais non, tu as déjà expliqué tout à l'heure. Oui, mais là, je t'ai dit qu'on filme. C'est pas grave, c'est une répète. Allez, c'est bon. Coupe, on va recommencer, c'est pas grave. Mais en même temps, je vais lui expliquer là, d'accord? Je lui explique et après on fait ça tranquillement. C'est bon, vas-y, ça place-toi. Donc là, on se passe tous les deux là, tu vois, d'accord? Et au moment où il va faire le bruit, tu vois, on va regarder partout et tout. Le but, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe, tu vois. Y a des... Non, vous entendez du bruit du. Oui, on entend le bruit, mais bon, voilà, faut bien qu'on panique un petit peu quand même. Faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, comment veux-tu que ça soit vivant devant la caméra? Coucou. Allez, vas-y, mets-toi. Le but, c'est que ça soit vivant quand même. Ouais, ouais. On va pas rendre le truc complètement bon, mort et platonique. Au top, tu fais des cris, ok? Top. Non, je te signale que si vous faites du bruit, il y a le gars en bas. Je suis censé vous entendre, hein. Réfléchis deux secondes. Vous faites pas de bruit. Vas-y, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais je t'ai dit tout à l'heure que vous faites pas de bruit. Vous entendez des bruits, vous paniquez sans faire de bruit. Si vous faites du bruit, le mec qui vous attends, entend, attends, il vous tue. Attends. Paniquer, tu veux qu'on fasse quoi? C'est normal qu'on fasse du bruit, qu'on regarde partout à droite, à gauche et tout. De toute façon, il nous a repéré. Mais non, il vous a pas repéré. Ouais, mais de toute façon. C'est quand il y a le coup de feu que vous faites du bruit qui vous a repéré. Qu'est-ce que t'attends de nous, toi? Et je t'ai passé les feuilles. Tu les as lues ou quoi? Oui, c'est bon, je les ai lues. C'est franchement pas professionnel, hein. Ouais, pas professionnel, tu peux causer, t'as vu à quoi tu filmes, toi, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, recommence, c'est bon. Allez, on va discuter, c'est bon. Du regard, c'est bon. Voilà. Tu m'as vu, voilà. Là? Donc, tu vois, on va faire comme on a dit, pas de bruit ni rien, on va se regarder dans le bon comme du coup, tu vois, puis va interpréter la peur. Allez, c'est bon, allez, placez-vous. On fera rien du tout, on va faire la peur. Ouais, je vais faire deux. Allez, vas-y. Top. Non, mais c'est pas la peine là. C'est pas la peine si tu fais le con là, faut arrêter là. Je fais le con, mais normal, on dirait. Bon, c'est bon, allez. Alan, ça va? T'as passé une bonne nuit cette fois-ci? On va passer des nuits de merde à cauchemarder. Je suis vraiment désolé, moi aussi c'est pareil, je passe des nuits de merde aussi, hein. Tu sais, c'est stressant comme situation. Hein. Bon, je te l'ai pas dit au téléphone, mais il y a Flo, il va se ramener. Quoi? Oui, Flo va se ramener. Mais c'est important, il faut qu'on discute tous les trois. Bah oui, c'est important, il va encore arriver, m'en envoyer plein la gueule. Oui, moi je sais, il est con, mais le problème c'est qu'il faut qu'on discute tous les trois. Donc, va falloir vous calmer tous les deux, toi aussi, lui, etc. Quoi. Cool. Faire un effort. Ouais. Tu sais l'acteur qu'il y avait au tournage la dernière fois? Quoi, Victor? Ouais. Ouais, quoi que si. Cet acteur me dit vraiment quelque chose, j'ai vraiment l'impression de l'avoir vu. Bah ouais, t'as dit la même chose l'autre fois, bah tu l'as vu où? Je sais plus. Ah bah tiens, allez ouvre là l'autre con. Putain. Bon, tu restes cool, hein. C'est bon, tu restes cool. Ça va bien. Ouais, ça va. Ça te trouve quelque chose, t'es tranquille. Non, bah, c'est bon, continue pas. Ah, vas-y, commence, comme si c'était pas déjà assez la merde. Déjà, comme tu ça. Te détends, tu te calmes, d'accord? Quand t'auras des couilles, tu pourras parler. T'as fini là? Je t'ai dit de te calmer là, c'est vachement important là. Ouais, justement, c'est vachement important, faut pas tout qu'il foire, lui, avec ses flippages, je sais pas quoi, de balles là, faut qu'il arrête. Mais mets-toi à sa place! Lui, peut-être qu'il gère moins bien que toi, mais je te jure, c'est super stressant comme situation. Moi aussi, ça va pas, mais bon. On se détend aussi, d'accord? On se détend tous là, d'accord? Ah bah toi, t'es vachement détendu, toi. Je suis détendu, y'a pas de problème, on a fait ce qu'il fallait. On va peut-être passer au truc dont tu voulais nous parler. Ouais, passe-moi les infos sur le gars là, attendez-vous. Quel gars? Bon, si tu veux, hier, on avait rendez-vous ensemble, on discutait, et j'ai repéré un mec, là, qui était en train de nous mater. Et il avait une caméra, et il nous filmait, quoi. Et donc, il lui a couru après, ils sont battus. Bon, le mec, il s'est barré, mais il a perdu son portefeuille. Et dedans, il y avait écrit Erwan Bergo, quoi. Et j'ai fait des recherches. Et là, on a un souci, mais un putain de souci, là. Le mec, j'ai fait des recherches, il y avait plusieurs Erwan Bergo, mais à un moment donné, il y avait un article, et il y avait sa photo dessus. C'est un ex privé qui a perdu sa licence. C'est un privé, les gars. Ça veut dire qu'on le paye. Ça veut dire qu'on le paye pour qu'il. Bah, j'imagine que oui, mais le problème, tu vois, ça veut dire que oui, on le paye, oui, d'accord, mais ça veut dire que si c'est lui qui colle les affiches, Ça veut dire qu'en gros, en ce moment, il y a un mec qui est derrière notre cul en train de nous chasser comme un malade. Bah oui, mais c'est normal, il y avait les affiches, mais là, c'est, ça veut dire que. Je sais pas. Ça serait qui? Attends. Mais je sais pas, la mère. Non, ça peut pas être la mère. Je suis allé la voir, on en a parlé d'Alex, ça peut pas être elle. Écoutez, on se détend là, on fait quoi avec ce mec là qui nous colle au cul là?
Non mais attends, c'est un truc de malade, donc quand même des affiches collées tous les jours et tout. Oui mais le problème c'est que le mec il a fait la tôle. C'est... Bah raison il de fait... plus. Attends, il faisait des écoutes illicites, il a perdu sa licence à cause de ça, il faisait des effractions, ce mec. Eh, en plus il t'a tabassé des mecs. Attends, calme-toi. Oh Alan. Putain. Arrête va, putain. Il fait n'importe quoi. Alan, appelle les pompiers. Appelle pour. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Putain, c'est pas possible. Alors ? T'as cinglé toi ? T'as dû appeler la hauteur ? Je l'ai fait moi-même ! Ouais, tu l'as peut-être fait toi-même, mais sans protection, ça rien. Nous on n'est pas couverts ici, c'est du amateur. Si moi je me pète la gueule, qui c'est qui va me couvrir ? Mais tu risques rien, t'as une planche ! Je sais pas, c'est tout, je suis désolé. Bon, ok, ok. Si tu changes de scénario, j'en sais rien, mais ça je le ferai pas. Ni toi, ni toi, personne ne le fait, hein, sérieux, c'est dangereux, c'est risqué, c'est débile de faire ça. Je vous le dis. Bon, si tu veux, on regarde de l'autre côté, tu verras que c'est pas dangereux. Non, mais c'est débile, c'est juste débile, tu vois pas l'intérêt. T'as vu le vide qu'il y a ? Non, mais tu m'as regardé, franchement. Alex, ça te pose problème toi, franchement ? Le fais pas, sérieux, le fais pas. Si tu te pètes la gueule, tu seras pas couvert. S'il le fait, je le fais. Ouais, si tu vas le faire et tu vas gagner. Ah, bah là, s'il le fait pas, c'est sûr que tu le fais pas. Hein. C'est zéro budget. Mon bras de pite, ta gueule. Non, mais t'as cru franchement quoi, t'es financé pour faire ça. Franchement, vous êtes trop blaireaux là. C'est bon, je me casse. C'est bon, démerdez-vous, vous me cassez les couilles, sérieux, je vais autour de la foule que vos conneries. Il était. Ouais, alors. Ok, bon. On fait quoi maintenant ? D'accord. On passe à la phase 2. Moi, ça me va. Je suis prêt. C'est parti. Me voilà en face au moment que j'attends depuis si longtemps. L'heure de ma vengeance a sonné. En garde, Dartois, assassin de mon père. Effrayé, il sort difficilement son arme. Son visage est parcouru de tics nerveux. Philibert lance l'attaque clotinde, l'évite toujours en tremblant. En garde, te dis-je ! Alors, Philibert lance une attaque. Ok, clotinde tombe. Il est pitoyable, tellement pitoyable que Philibert, perplexe, commence à baisser sa garde. Clotinde se lève difficilement, honteux. Il l'aide en s'appuyant sur sa cadavre. Soudainement, contre toute attente, il jette le cadavre. Sauf Philibert qui recule pour esquiver. Ok, Clotinde. Ah ! Inès. Philibert ! Philibert ! Ah ! Ok, avec dextérité, Philibert fait tourner son épée autour de lui pour impressionner le four. Ah ! Ouais, c'est presque ça. Ah, c'est qui ? C'est qui ? Putain, mais David, allume ton portable de temps en temps. Faut que je te voie vite. Ouais, j'ai un putain de problème, faut que je te voie. Et s'il te plaît, si tu reçois ce message, rappelle-moi vite.
cette merde? C'est quoi ça? Pourquoi je retrouve des trucs comme ça pour moi? Flo, putain, tu vas répondre là. Il est chiant, il me demande d'appeler en urgence. Il... Bon, allez, répondeur. Bon, ok, bah, je t'ai appelé. Hein. Bon, bah, tu réponds pas. Hein. Bon, voilà. Donc, bon, bah, pour te dire que Alan, ça va. Là, on revient de l'hosto. Là, bon, apparemment, tu sais, c'était le stress. Là, il a fait un malaise. Là, voilà, c'est tout. Donc, franchement, tu me fais honte parce que tu t'es barré alors que lui, il allait mal, quoi. Je veux dire, ok, d'accord. En ce moment, ça va pas avec lui, mais t'aurais pu quand même avoir la décence de rester, quoi. Hein. Mais bon. Allez, mais rappelle-moi vite. Quel connard. Quel enfoiré, ce mec. Ah, tu m'étonnes. Un ami, franchement. Bah, non, mais franchement, il déconne, là, parce que là... Ah oh. Alan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde-toi. Alan. Ah putain, mais. Attends, comment ça se. Ah, ce machin là. Alan. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui c'est. Qui ça? Je sais qui c'est. De quoi? De qui c'est quoi? Le mec là, je l'ai vu en photo avec Alex. Tu parles de qui là? Lui, le mec là, il était en photo avec Alex. Le mec tournait avec toi. Victor? Oui. Attends, mais tu me t'entra... Qu'est-ce que tu me racontes là avec Victor? Je sais qui c'est. Tu sais qui est Victor? Bah, Victor, c'est un. Attends, il était avec Alex. Oui, oui, il était en photo avec Alex. Ah, l'autre fois quand tu disais que tu as déjà vu avec Alex en photo, c'est ça? Oui. D'accord. Allez, calme-toi là. Oh!
Ça va? Non, ça va pas. J'arrête tout, t'entends? J'arrête tout. Il est cinglé, ton Florian. Complètement si. Et tu vas te calmer, c'est bon. Dans la voiture, je te fais mon rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah attends, tu vas savoir. Ah putain, ça y est, il est cinglé. C'est bon, tu peux me dire que c'est un jeune trou du cul qui t'a fait. C'est bon là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a réagi au colis quoi. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Donc le colis, t'as compris, il est livré. Ça, y a pas de problème. Ah bah nickel. Ok. Il ouvre le colis, enfin les banalités d'usage avec un colis. Il quitte chez lui, je m'apprête à le filer. D'accord, c'est bon. Ouais. Troisième homme, il se met entre lui et moi. Quoi? Un grand, race blanche, des cheveux bruns, maigre. Voilà. Maigre. Jamais vu. Jamais vu. Un mec qui fait. Attends la suite. Ok, d'accord. Donc ils vont quartier Croix-Rouge. D'accord, ok. Sur un chantier. Et ils commencent à se chauffer l'un l'autre. Ils s'engrainent. Sur le chantier. Oui, Florian l'accuse d'avoir posé le colis, donc au début. Mais pas longtemps. Il commence à s'engrainer tant et si bien que l'autre, bing, il allonge Florian. Et Florian, ça va? On peut pas dire ça. Le gars s'en va, jusque là, pas de soucis. Ils t'ont vu? Non, je suis un pro. Ouais. Florian se relève, met la cagoule. Pourquoi? Et se met à se marrer. Mais comme un taré profond, quoi. Un rire qui m'a filé les chancottes. J'ai flippé ma race, je te jure. Alors j'arrête. Non mais tu vas... Faut te calmer un peu, là. Il a juste foutu un masque sur la tête, il a rigolé comme un taré, point barre. Ouais, tu vas pas flipper pour ça. Donc c'est normal qu'un mec qui se fait... Non, je trouve pas ça normal. Il se relève, il se marre. La seule chose que je vois, c'est qu'il a réagi au truc. Ah, oui. Je t'avais dit, quand Alex a disparu, la veille, j'avais passé le masque et le couteau à Florian, tu vois. Et là, quelques jours plus tard, je lui demande s'il peut me les refiler, quoi. Il me dit, je les ai paumés. À peu près dans la même période que Alex. Je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? Et j'ai senti que son excuse était bidon, tu vois. Mmh. Et donc voilà pourquoi le coup du colis. Et t'as vu, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc avec ce putain de masque, avec ce putain de couteau. Donc j'ai bien fait de faire ça. Donc c'était ça le but de l'opération, c'est qu'il réagisse. Il a réagi. Il allait où ça déjà, tu as dit? Croix Rouge, sur un chantier. Sur un chantier, bon. Et bon, je sais, pourquoi? Attends, bon, pour faire quoi? J'en sais rien. Mais donc il a réagi. Il y a ce mec-là qui. Bon. T'as la vidéo? Oui, bah oui. Ah, et tu veux arrêter pour ça? Putain, mais ça c'est bon, c'est positif là. Putain, c'est génial.